Après bandi 400 maozo yo fin touye deux américains nan yo Ofelina Lison. Parmi yo gen yon petit député américain. Bagay sa bouleverse États-Unis. Ancien président Donald Trump to sa pale. Il fait gros déclaration. Yon ancien sénateur lui même tout lui fouye bouche nan koze ya. Li longe dwe joudali 17 longet sou ambassade États-Unis ki pa pran responsabilité. Comme ou bien cadavre des américains sa yo yo sous contrôle américain. Mais yo poko kite territoire pou a joine famille yo nan pays États-Unis. Rete la, on va ba nou plus détail avec précision. Bandi vivan sam yo yo entrave après sa noue la, zak yo fin komet, kote bandi 400 maozo, touye de Ameriken. Nèg yo panike, apre zak asasinay sa. Tande non, population Ameriken yan, yo mande, pou gen yon deployment, force multinationale la, pou l fèt rapide vite. Parce que, c'est trop à trop. Sa ap gade la, c'est dernier goutte d'eau qui renverse vas là. Concernant des forces multinationales pays Kenya, comme vous bien, nous connaissons que ça était supposé entrer dans le pays d'Haïti. Non, date qui se passe là, responsable fait qu'on est force là à déployer dans le pays d'Haïti dans la troisième semaine, dans le mois juin qui a fini là. Regardez la vidéo ça jusqu'à la fin. On va nous plus d'être avec précision. Pas oublier nous-mêmes, pas bon ici. Nous, c'est Production 509. Toujours présent. Nous pas jamais faire nouvelle. C'est bail, nous bail nouvelle sans retirer, sans mettre. Tenez nous. Dès que nous regardons sur l'écran là, c'est américain. Deux jeunes couples. C'est madame et mouché. Ils fait marier. Ils ont même pile temps de marier. Yo te là, yo t'ap supporté yon Ofelina nan pays d'Haïti. Bandio ki débarqué an de Ofelina sa, yo touye et puis tout, yo mette di fe. Yo touye moun yo, parmi moun ki mouri, c'est toi moun ki mouri an de Ofelina. Ki se mari dam nan mouri tout et puis tout. Te gen yon haïtien qui te responsable Ofelina, li même tout li mouri. Mais nan trois moun sont mouriyan, gen deux moun ke bandi yo boule cadavre yo. Ki se messieurs avec haïtien qui tan dan Ofelina, mais au sous écran. Malheureusement, m'pa ka moutro cadavre yo parce que boule kankané. Hein? Mais c'est yo qui c'est haïtien. Yo touye. Yo boulel. Yo boulel tout avec messieurs américains. Jude qui c'est yo haïtien, c'est lui qui mouri. Nathalie avec David, c'est deux américains yo qui étaient dans Ofelina. Yo boulel. Comme vous bien. C'est yon Ofelina chrétien. Anda Ofelina, li gen l'école. Anda Ofelina, li gen l'hôpital. Hein? Anda même Ofelina ça, li gen l'église. Mais bandi sans foi ni loi, touyèl. Touyè moun yo. Et puis yo mette di fè sou yo. Tande non. Pou la femme bien. Nan déclaration qui fait à travers cette fête là, son gros crime. Président, ancien président américain, qui c'est Donald Trump, lui mandé pour rejoindre assassin sa yo rapide. Dans un message li publié sur plateforme sociale yo, qui nous connaissons, c'est qui est propre plateforme par qui elle est et Libanon. Ancien président dit c'est une stratégie
et li souhaite bon Dieu béni David et avec Nathalie. Donald Trump nan message li, li fait konnen Haïti c'est un pays qui totalement sans contrôle. C'est ce pour laquelle Donald Trump mandé pour joindre assassin sa yo rapide vite. Tade non. Kounya la, coupe la regarder là sur écran. Yo joine cadavre. Et m'a saisi responsable pays d'Haïti yo, yo sorti note. Note de sympathie pour des Américains yo. Mais vale fwa bandi vivant sa mwa touye haïtien pa jam gen yon note de sepati yo soti nan memwa moun sa ki mouri a men mwot pou yo tande non Amerik kon ou konnen se Amerik viktim yo kou soti note pou fè konnen yo pa gen rien a wè nan sak tèt la fòm sou bien Amerik sa mouri an dans zone lison dans pleine tout près bon repos qui sous contrôle monsieur 400 Marozo yo David qui gagne 23 l'année jeune petit garçon Nathalie qui gagne 21 l'année jeune petite fille et puis Jude Montis qui c'est haïtien qui c'est troisième monde qui mourit assassiné et puis boulé dans cadre yo attaque nek exam fait sous local ONG qui relè mission In Hope qui c'est une mission américaine côté qui t'a géré yon l'école qui gen 450 timoun la dan David avec Nathalie et c'est yo qui te met organisation an. Et puis Jude, c'était directeur institution côté l'État géré. Une des victimes, c'est petit Ben Baké ou Ben Baké, qui c'est un parlementaire américain, parti républicain. C'est ça, Miami Herald fait nous connaître. Mais fait connait c'est Tifia même qui c'est petite ancien parlementaire qui c'est Ben Baké ou Ben Baké ba connait ba mal papa parle en tout cas à travers deux moun sont mouri là Amérique fait connait c'est dernier goutte d'eau qui renverse vase là hein dans déclaration famille en publié sous page Facebook yo Ben Baké qui c'est papa youn nan victime yo yo fè konnen yo dwe jwenn yon autorisation k'ap pèmèt yo transporter ko David avec Nathalie nan pays États-Unis puisque yo pa ka kembe yo Haïti sans yo pa conserver. Après ça, famille dit yo doit joindre yo compagnie avion cap accepter pour porter cadavre aller dans pays États-Unis. Famille fait démarche pour prendre cadavre et puis transporter yo dans pays États-Unis. Mais faut que yo joigne yon avion. Après pile démarche ça yo t'a fait, finalement yo arrivé joindre yo kompay avion. Famille en joignon avion pour mener cadavre dans pays États-Unis. Kon sa ta supposé arriver jeudi matin bien bonnet. Dans une note qui publié hier dimanche là sur page Facebook papa timoun yo hein papa youn nan victime yo famille en fait konnen transport David avec Nathalie pour États-Unis getan assiré mais li difficile pour joindre papier légal yo qui sorti nan men autorité Haïti famille di tout
condition sécurité yo souterrain en danger en pile sortinan porter cadavre là dans avion jusqu'à ce qu'il décolle famille faire connait sécurité a vraiment difficile c'est ça il fait connait mais gagnon ancien sénateur qui fouille bouche dans causé ya sénateur l'état Missouri qui c'est John et Jones n'a regardé sur écran li fait connait bureau personnel li demandé ambassade là pour yo al porter secours avec David avec Nathalie mais yo te di yo zone nan trois danger ouais même ambassade da konnen zone sa yo c'est zone de non droit yo vraiment danger moi m'a demandé moi côté américain qui nan ambassade américaine nan côté yo moi m'a demandé moi le regarde film américain est-ce que c'est menti a ban moi nan film yo parce que m'konn wè ki stratégie yo créé l'attendé taliban yo kidnapper yo américain gen hélicoptère qui volé gen drone qui volé gen plusieurs troupes d'élite yo déployé pour aller sauver yo green américain mais dans pays d'Haïti c'est difficile c'est différent moi m'a demandé moi même avec Iran Irak qui ça qui plus fragile qui peut qui plus fragile que Iran est-ce que Haïti plus difficile que Iran avec Irak avec Afghanistan parce que Américains ont mené opération dans zone ça yo qui je fais pays d'Haïti li difficile pour Américains mener opération là dedans est-ce que Haïti plus difficile plus compliqué que Iran Irak hein en Israël avec Pakistan en tout cas comme vous bien ancien sénateur lui demander ambassade américaine pour t'aller porter famille ça si pas mais on fait qu'on est zone dans trop danger il va pas aller pour t'envoyer la police qui la police mais dans ce ça parlementaire républicain voyons lettre formelle par le président Joe Biden pour exprimer colère li ak frustration par rapport assassinat des Américains ça bandits assassiné et ensuite nous connaît gen petit yo ancien de la yo député la donne saison pour laquelle sénateur accusé ambassade là ambassade américaine dans pays d'Haïti li accusé c'est sous compte li yo mouri et m'a demandé moi même té quoi Américain té mandé pour tout ressortissant yo quitter Haïti, quitter pays cannibale ça, entrer la caillou. Mais non, yo rete parce que connaît et APD, bandi va priver sou yo. Et me connaît bandi 400 maozo, bandi qui qui gen contrôle quoi les bouquets dans plein nan, nek sa yo, yo spécialisé yo dans attaquer américain. Yo spécialisé dans attaquer américain. En tout cas, population américaine nan il fait qu'on est ces derniers goutte d'eau qui renverse ces vases là c'est trop partout faut que ça une réponse appropriée avec Zach ça qui au faire c'est ça on fait qu'on est et pas garder au danger faut que joigne une réponse hein celui qui fait pas l'épée paiera par le même épée en tout cas qu'on y a là. Yo mandé pour force la déployer. Même Jean Donald Trump mandé ça. Attendez ça passe là. Joe Biden gouvernement li en danger. Mandat Joe Biden en danger. Parce que dès vous attaquer yo green américain, c'est un coup té attaquer 100 ou bien 1000 américains. Imagine yo green des américains mouri dans situation comme ça et bandi yo tellement envie touyer yo bouler yo encore. Yo bouler yo. Le boule Maria, le boule haïtien, celle demoiselle pas mourir.
qui va pas mourir, non, qui pas bouler alors. Kounya là, je m'en pour Foster à déclarer tout plus rapide, vite, sans prendre temps, dans le pays d'Haïti. Et la première opération pour le mener, c'est dans la zone côté Zak sa passé. Bah, qu'on est. Et nous tout t'étendons déjà dans l'émission que m'te fait. Faut ça pas entrer dans le pays d'Haïti. Dans date qui était 23 mai, il a renvoyé pour mois de juin. Et ça te fait qu'on est. Tu fais qu'on est dans la troisième semaine mois de juin. C'est là ça faut ça a déployé tout pli dans le pays d'Haïti. En tout cas, Joe Biden qui sont dit dans cause ça, Donald Trump pas qu'attend. Et famille de moun sont mourir pas qu'attend pour attaquer mais c'est ça qui touye petit yo, c'est grave. Ouais ça passé là lui vraiment son gros bagage lié nanje américain yo. Ça qui arrive nous même pas bon ici nous à la légère même dans nous ouais gè plizye haïtien bandi vivant ensemble a pété touye chien k'ap manje yo nan la rue Port-au-Prince. N'a marché sous cadavre. L'État pas jamais sorti une note de ces parties pour nous. Nous même nous ka mouri parce que dans pays nous lié et ça ou dit là. Mais un étranger pas supposé mourir dans pays là. Ouais, gien des américains bandi vivant sans nous touyer. Yo ki ta couri sorti note de sympathie. Hein? Mais laissez-nous même bandi touyer chien manger nous. Nous pas une note. Même pas dit, il va sortir notre là, non, oui. Mais il a sorti notre, et pas parce que il y a des Américains qui viennent pour nous sortir notre pour ça. Valais Saint Mouri, Valais Saint vivant ensemble tout là, Valais Saint vivant ensemble, mettez au dehors la caillou, c'est dans l'abri et dans l'école. Il y a le dormi, sous place publique, il y a le dormi. Nous avons une zone, nous avons Badelma, nous avons Solino, Delma 24. Nous gen Belé, nous gen Gressier, nous gen Mariani, zone sa yo. Nous gen Kafou, bandi ap touye moun, matin, midi et soir. L'État pa jam di tweet, mais on note de ces parties pa jam sorti. Mais kounya la, les bandits vivants sont yo attaqué. De Américains sa yo touye, ouais, comme souvle, note la sorti ya la. Et pas peut-être Haïtien, non, le sorti note la. Parce que yon Haïtien mou yon tout. Mais plutôt, c'est parce que il y a des Américains qui mourent là-dedans. Dans l'attaque, là, il y a des Américains qui mourent, c'est la raison pour laquelle l'État saute son note de sympathie. Comme sous l'État, il y a 60 000 Haïtiens qui mourent par une note de sympathie. Par une note de sympathie. En tout cas, malé, rendez-vous dans la prochaine émission. Pour nous inviter ton autre dossier par Béchanel, ça. C'est production 69 pour liker, abonner, peser sous cloche de notification, retirer sous persuasion sur tout pour les nouvelles vidéo. Pour pas rater. Oui, dans Saint-Louis, je salue Marie Magdala Saint-Louis Jeune ainsi que sa sœur et toute la famille. Image qui sous écran, monsieur, c'est monsieur qui n'a mis tant à costume, non? La mi-temps, monsieur Seyon, député en fonction qui est dans le bloc républicain et qui est un supporter Donald Trump. D'ailleurs, il a endossé la candidature de Donald Trump et nous prenons une image côté climat avec Donald Trump ensemble. Et forme toute la société, Zak sa qui arrivé hier soir, au commencement, m'a dit son bail qui arrivé par erreur, et puis il y a des gens qui mal comprend, même pour l'expliquer, ça me l'a dit. Et je pensais que ça, son bagage, un message qui voyait by tout le monde net en Haïti et même à l'étranger. Parce que j'en t'ai écrit sous poste moi, sous page moi dans une publication, dans la dimension criminelle yo fragile, je dis hein, criminel yo pas connaît ni race, ni classe, ni couleur peau,
Il y a un seul groupe moun bandi ça au plus ou moins accepté pour l'instant. C'est fournisseur yo, c'est moun k'ap fourni aux amak bal yo. Après ça, personne pas épanier devant bandi ça yo. Monsieur ça qui dans mi-temps, monsieur relé Ben Baker. Ben Baker, je son député républicain dans Missouri. Qui donc, monsieur, c'est un parlementaire en fonction, s'il vous plaît. Mais l'homme a regardé page monsieur et puis en pile bagaille que il a posté. Monsieur fait souvent référence à la Bible. Ça veut dire que moun sa yo c'est chrétien yo yé. Et c'est sur cette base gagné petite fille que nous allons regarder là ensemble. Vous remarquez là, monsieur, avec Donald Trump, que l'il était endossé pour venir président de la République à son premier mandat. Ben Baker, qui endossé candidature Donald Trump pour président. Et après, il y a un monde qui parlait sur le dossier rapide, c'est Donald Trump, qui lui-même était déjà un mot parle, une façon de voir Haïti. Donald Trump dit que Haïti est un pays qui est sans contrôle. Il m'a dit qu'il faut une réponse qui peut être rapide dans l'immédiat. Et je crois que monsieur a tout pris ça pour tacler l'administration Biden. Non? Et Biden prouve que, normalement, comment passivité vers Haïti, eh bien, il y a une grosse conséquence. Parce que Haïti va ka là nan bab États-Unis pour Biden a dirigé là pour gen tout crime ça dans pays a et n'a vinn sous ça. Eh bien Ben Baker qui là avec Donald Trump, monsieur son parlementaire en fonction, mais monsieur là Ben Baker étonnamment même on sa haut sous écran qui c'est Nathalie qui c'est petit Ben Baker, Nathalie, et puis Devi qui c'est Marie Nathalie qui donc qui c'est beau-fils Ben Baker et Devi qui là qui c'est beau-fils Ben Baker, c'est papa qui gagne orphelina en Haïti dans l'ison. Ça fait quelque temps moun sa yo nan mission et gon paquet ti moun nan zon nan, c'est grâce à orphelina sa qui apprend yo li ak écrit. Et bien tous les deux jeunes n'ap gade sou écran hier après-midi nèg ak zam nan plein nan rentré nan orphelina après yo fin volo tout sa yo besoin et malheureusement yo criblé en babal. Et selon premier élément information que moi recevoir, m'bral dit nous exactement qui s'est passé selon ça moi joindre comme élément d'information parce que depuis matin m't'a cherché comprendre qui s'est passé exactement parce que grand pile zanmi k'ap dit mais zone yo pas bon pour ça moi te rete lison moun sa ou là depuis bien longtemps dans lison rien pas de jambe rivé yo. Cependant quelque soit organisation qui a fonctionné yo toujours quand même Jean-Pierre Yanya gen ti accointance yo avec une série de base pour yo capable fonctionner légalement, ah bon, pour me dire légalement mais pour yo capable fonctionner normalement dans pays. It hurts my heart so bad to even say this, but we have confirmation from the US embassy. Ça c'est message monsieur pral écrit à l'heure quand il dit que ça fait tellement mal dans le cœur pour me dire non. Mais nous avons confirmation ambassade là dans le pays d'Haïti. Eh ben il y a joint quoi même pral vin sur ça avant. Et pral banon ti explication tout. Mais bien avant monsieur bay message ça tout à l'heure. Premier message monsieur pral recevoir. Monsieur Pral dit que brisé
en mille morceaux. Monsieur dit pour qu'on jamais senti gens de douleur ça. Monsieur dit en pile là nous connaît déjà petite fille avec beau fils moi qui c'est Nathalie avec Davy Lloyd. Yo c'est missionnaire à plein temps en Haïti. Yo attaqué yo nèg exam attaqué yo hier soir et yo tous les deux assassinés. Il s'affaire d'où son famille chrétienne. Monsieur dit ça que me connaît c'est que yo aller dans paradis ensemble. Monsieur dit s'il vous plaît priez pour famille. Monsieur dit nous besoin en pile force parce que nous vivons un moment extrêmement difficile. Il dit s'il vous plaît priez également pour famille Lloyd qui c'est famille Davy. Il dit que m'a pas gain l'autre mot m'a dit pour l'instant. C'est ça Ben Baker qui c'est papa yo t'a écrit sous page li. Maintenant qui s'est passé? Tendez la société. C'est Ben Baker qui l'a et ses familles. Orphelina ça qui situé dans l'ison depuis quelques années. Et gen en pile monde. Tendez oui. Gen en pile monde. Non, acquaintance là, bon c'est ça lié Nerlou. C'est ça lié. Il y a gen acquaintance là en pile monde qui a fonctionné, c'est normal parce que là en difficulté, il y aurait les galban information. Maintenant, qui s'écrivait Orphelina ça qui là depuis quelque temps qui a fonctionné dans zone Lison 39. Nèg yo rentré dans Orphelina ayé parce que c'est dans zone qui rele ti tête dans Moléa, bon repos zone Lison etc. Gang yo rentré dans Orphelina. Qui c'est pour monsieur David qui c'est papa de vie monsieur son américain que nous ouais monsieur gen Orphelina selon information que nous joignent avant hier là monsieur entré États-Unis papa. Et ayer malheureusement petit David là madame ni que n'a regardé sur écran qu'on a go faire hier ça gros haïtien là même moi n'ai pas mettre haïtien non y a bon des autres man pas ouais haïtien parce que Jude il est là est-ce que là image moi là était supposé là OK gros haïtien qui victime c'est trois moun nèg yo tué deux américains ça yo plus haïtien. Ben, y a bon des autres. Y a bon image là. Pas un problème. Ok. Maintenant, nèg yo rentré dans l'école là. Yo volé tout ça yo capable. Après ça, yo touye moun yo. Qui ça qui passe? Selon premier élément d'information, c'est pas nèg Jeff yo qui te attaqué moun yo. Parce que chez méchant avec Jeff, ils font seul. Depuis les bagages mouvement vivent ensemble. Mais t'assemblé un groupe nèg sur route 9. Quatre nèg dans zone Pierre 6 qui t'assemblé au même pas rentrer dans question vivre ensemble. Yo fait une série de coups parallèles et là au fait coup ça yo, c'est au même qui gère tête yo. Selon premier élément information nous joignent, c'est nèg sa ou qui t'a sorti sous zone route 9 qui rentre dans Orphelina qui a volé tout ça yo capable yo frise moun yo bien que m'apprenne Davy t'a gen zam en dedans et c'est ça qui prend cause monsieur mouri selon premier élément information que nous joignent à terre bien que m'apprenne monsieur gen zam mais dans première attaque là yo frise yo. Et nèg yo volo tout ça au capable en dedans yo pote aller.
Les gens fin fait ça, ils allaient, ils pas tiré moun. Attendez bien, oui. M'dou selon premier élément information que nous joignons. Ça qu'arrivé, gen évolution, gen l'autre bagay qui dit. Mais m'abdou exactement ça nous joignons dans tes recherches que nous avons fait lorsque nous tendons drame dans le passé. Donc, premier groupe qui rentre, hein, qui a attaqué Mounio, c'est volé ou vin volé. Yo frise Mounio, yo prend tout ça au capran, et puis yo marche pour si yo. Ça semblait pendant la finale, gen yon moun qui fait partie de Orfelina, qui lui-même, et là m'parle de acquaintance là, Nerlou, qui lui-même gen relation avec Jeff, li rele Jeff pour mande renfort parce que l'autre bandit envahi yon dans l'espace là. Attendez, pays. Mabdou, selon premier élément information que moi recevoir. Gagnon moun le action fin passé. Gagnon moun qui fait partie de Orfelina qui relè Jeff qui mande renfort parce que Lyon en danger. Gon groupe nèg exam qui attaqué yo. Bon par contre bruit ça c'est pas chien méchant que le relè, mais c'est Jeff qui relè. Et de fait, selon ça jeune comme information, Jeff ak ekip li yo débarqué vrai dans Orfelina pour al konnen sa gagné parce que yo konnen nèg chien méchant va pral tirer sou moun yo pour al voler affaire yo. Yo dans vivre ensemble. Mais ta semblé son équipe qui sorti sous zone route 9 qui yo même pas dans vivre ensemble qui attaqué moun yo. Koun ya le fait que moun ki contacté ou bien qui t'a contacté Jeff là tandis la société li pas communiqué avec coupe ça qui c'est Devi et Nathalie pour te expliquer Devi et Nathalie que pendant n'a parlé là nous relé Jeff pour porter un secours parce que nous en danger pour y a Jeff lui-même li prend équipe li descend pour aller porter renfort à Orfelina qui en danger s'il sous elle descend c'est parce que justement Orfelina qu'on négocie avec Jeff comme si bon c'est généralement pour fonctionner dans zone ça yo ou obligé gen contact gros chef c'est on ça paye à fonctionner malheureusement koun ya cependant nèg yo nan route ap vini tande la société cependant nèg yo nan route ap vini blanc li même j'en me dis qui semblait gen tizam ni la kali pour défendre tête li. Le fait que moun ki te rele Jeff la pas de communiquer avec elle. Le fait que moun ki rele Jeff la pas de communiquer avec lui pendant équipe Jeff la a privé bon Orfelina Devi descend en bas dans espace là monsieur prend zamni li pense c'est même nèg yo qui vinn sou li et sans hésiter monsieur tirer sou yo. Tenez bien, ma parle de selon premier élément information que nous joignons. Nan côté ba yo passé. Donc le fait que moun ki rele Jeff qui mande renfort, li pas communiquer avec couple pendant Jeff kouni après équipe li a vinn porter renfort à couple avec Orfelina et c'est même moment ça Devi li même qui pensait c'est même nèg yo qui retourner vinn attaquer. Monsieur dit fois ça, ça le fait m'a défendre tête moi. Et puis monsieur descend en bas la cali, t'as semblé bien tibali nan mel. Monsieur allé justement, li t'a tiré, ou m'a dit t'a. Parce que nous pas là, je n'ai pas gardé. Justement, c'est information qu'a partagé. Le fait que monsieur t'a tiré, qu'on y a sans réfléchir, Jeff pensait lui-même, c'est non coup de pas comprendre que vous pral. Et puis, il réagit, il vit des balles sur mon yo. Il est triste en pile, son pays difficile. Très difficile, oui. Très difficile. Alors, je vais essayer si je vais mettre une image haïtienne pour nous. Qui lui-même mourit tout dans le drame ça. Attendez, oui. Qui donc, moun qui n'a espace là, qui relè, eh ben, qui relè Jeff, vin pour te renfort là, parce que bandit attaque yo. Pendant équipe Jeff la privé et Devi lui même qui semblait te gen ti bal dans elle pour défendre tête li et monsieur sans hésiter li mettait dans tête li
c'est même groupe là qui vient attaquer. OK, mais haïtien là dans image ça, nous pral wè li. Li pense c'est même groupe là qui vient attaquer et malheureusement nèg yo riposté et yo vide balle sans hésiter sur mon yo. Et ça qui est grave dans l'histoire là. Ouais, ça c'est Timon qui dans Ophelina. Nous obligé barrer image yo. OK? Tout ça on a regardé là c'est image Timon qui fait partie de Ophelina, mais couple qui c'est Nathalie, qui c'est petite américain ça et parlementaire Ben Baker, mais haïtien. Mais haïtien qui c'est Jude Bontis, c'est monsieur qui est directeur qui responsable et ben Ophelina. Oui, c'est monsieur qui est responsable, alors que c'est lui comme haïtien qui est responsable, et ben nèg yo exécuté monsieur tout. Kounya, ça nèg yo fait. Immédiatement yo fin touye moun yo, yo prend cadavre yo, yo mette du feu sou yo. Tande peyi a, m'bral balak nou. Et c'est là m'bral di que Joe Biden en face responsabilité. Yo fin pran moun yo, yo tuye yo, yo mette du feu sou yo. Mais son du feu qui mette avec en pile précaution. Bon, bien dit ça, Abdoula. Nèg yo mette du feu sou yo, mais son du feu qui mette avec en pile précaution. Et c'est ça, m'abdi nèg yo. Tout criminel nèg yo criminel là. Attendez, tout criminel nèg yo criminel là c'est contre haïtien pareil au plus. Malgré tout bagay. On pas ka passer vidéo pour nous parce que li gen en pile violence. Même si gen moun ki wèl et sou wè vidéo, peut-être ou pas wè ça m'pra l'expliquer là parce que moi me dis nous, lèm gardon image, on pas seulement garder le pour garder. Moi garder image là justement pour me chercher bagay peut-être même ou pas ouais là-dedans. Remarquez dans vidéo côté yo boule moun yo. Haïtien presque fin boule net. Ça dit premier ennemi à combattre là c'est haïtien. Suivez mon regard. Dans vidéo haïtien presque fin boule net. Blanc li boule on parti dans pied. Qui rivé bord derrière mais pas boule net garçon. Fia, m'a même sûr que yo touche du tout lui-même. Et immédiatement, l'ambassade des États-Unis, selon les dires de Ben Baker, gagne et contrôle cadavio. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Je vous conseille la prudence. Ne restez pas en Haïti. Haïti, tes libertés, 27750 km². Des corruptions. Ici, politiciens respectés, même yon bout de visa. Que la constitution. Nèg yo débarqué dans le commissariat Bon Repos. Nèg yo assassiné inspecteur, policier, femme. Famille en fait toute gymnastique, toute prière de gagner pour yon seulement récupérer cadavre. Yo pas jamais fait ça. Et Kounia, c'est Kounia la guerre a déclaré tout bon. C'est Kounia, Jeff Canaran, Vive Ensemble, 400 Maozo, Chez Méchant, tout nèg yo qui gen zam nan Cité Soleil, tout nèg yo net, ISO 5 secondes, Belè qui gen zam nan men yo, c'est Kounia la guerre déclaré. Et Joe Biden gen pour responsabilité. Pour le dire, ça l'a dit en la rapide, rapide. Attendez. Donc, ces trois mouns, ça, on a regardé. Ça, c'est directeur Jude qui l'a. Là, il a tué. Mais monsieur, j'ai l'impression que madame Nick là, m'oblige à barrer visage de Timounio. Mais monsieur, avec madame Nick là, avec deux Timoun qui sont anti-fonds, anti garçon, je vais vous dire l'autre encore. Ou imaginez Timoun, ça, comment on va vivre sans papa ou Gounia. Ou imaginez madame, ça, comment on va vivre sans mari ou Gounia. Nèg ak zam détruit la ville et ou pas ka peur d'il tout ça arrivé là c'est l'irresponsabilité des États-Unis d'Amérique. Sou quoi manto en retourner nos archives. Est-ce que nous songez
en 2021, gang 400 Marozo kidnappé 17 missionnaires, dont 16 citoyens américains, parmi eux deux petits bébés. Est-ce que nous songez ça? Le ont été kidnappé missionnaire américain yo, toute la presse dont t'étais, nous te croyons que c'était dernier coup que nous avons fait. Jusqu'à ce que vous négociez, vous libérez mon yo. Nèg yo vin méchant pired, bas yo grandi pired, en yon pas arrivé yo. Nous songez. TV Monde, oui. TV 5 Monde, ben regardez-moi. Bonsoir Elisabeth Guedel. Une quinzaine de missionnaires américains portés disparus. Est-ce que l'affaire fait grand bruit aux États-Unis? Écoutez, les médias américains en parlent peu, en tout cas avec beaucoup de prudence, pour deux raisons. Tout d'abord, c'est très difficile pour les journalistes d'avoir les informations sur place, tant la situation est chaotique. Et puis parce que le département d'État américain est plutôt silencieux, très peu d'informations. Il a juste fait savoir que cette affaire d'enlèvement était en tête des priorités. En fait, l'administration Biden est en train de négocier ou va négocier avec les ravisseurs s'ils ont été identifiés. On sait que l'équipe de négociateurs du FBI est arrivée à Port-au-Prince. Peut-être qu'à terme, il faudra envoyer une mission d'élite pour effectuer la récupération des otages. Mission très délicate, donc on comprend pourquoi il y a très peu d'informations en provenance pour le moment du département d'État. Et puis, il faut rappeler que le gouvernement américain avait appelé les Américains au mois d'août à ne surtout pas aller à Haïti en raison justement de ces risques d'enlèvement. Entendez. De nombreux Haïtiens demandent aux États-Unis d'envoyer des troupes sur le terrain pour stabiliser la situation. Est-ce que l'administration Biden pourrait y être favorable? Pour le moment encore, beaucoup de prudence. On sait que depuis l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse en juillet, il y a eu ces voix hein, de la part d'Haïtiens pour appeler à un renfort militaire de la part des États-Unis. On sait que l'administration américaine a envoyé quelques troupes, quelques équipes, en tout cas sur place, surtout depuis le dernier tremblement de terre. Cet enlèvement intervient au lendemain du vote à l'ONU pour reconduire la mission des casques bleus à Haïti, mais il y a toujours donc cet appel à envoyer un petit peu de renfort militaire américain. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a régulièrement des manifestations d'immigrés haïtiens, encore jeudi dernier à San Francisco, pour dénoncer justement l'inaction de l'administration Biden vis-à-vis de Haïti. Merci Elisabeth pour toutes ces précisions depuis les États-Unis. Merci infiniment. Depuis le SAR, on t'est pensé après le gain en solution. On t'est pensé justement. Zafè gang nan plein tap disparèt. Te gen mobilisation, pression ki fèt, etc. Bateau sous la mer, yo di oui, l'armée américaine pral envahi plein nan pression, etc. Rien pas fait. Vite l'homme débarqué kay deux citoyens américains. Monsieur tuyé personnage là, il mettait du feu solé. Petit monsieur qui sont anciens, qui sont vétérans dans l'armée américaine, qui est obligé de descendre pour aller rapatrier cadavre là. Rien pas jamais fait. M'a gardé foi ça si les États-Unis, Donald Trump. Qui déjà lui-même frappé, m'a regardé si Joe Biden pas dit rien sur ça. Ok? Écoutez, m'a regardé justement, est-ce que l'administration Biden n'a pas pral dit un bagage sur ça? Président Kenya, M. Clay, contrairement à Leslie Voltaire, contrairement à Leslie Voltaire, n'est qu'un son, n'est qu'un pantalon, n'est qu'un toile, président Kenya, qui c'est William Ruto, M. Clay, sous ça. M. dit,
Bandit rete bandit, criminel rete criminel, criminel pa gen race, pa gen classe, pa gen rien. Moun sa yo c'est rivé sou yo. Monsieur dit mission yo c'est attaquer criminel za yo. Nathan, ça pral di. Nathan parce que monsieur promet pour briser gang yo en Haïti. Il a gen urgence pour que force la déployer dans le pays d'Haïti. Jeff Canaran, monsieur trop puissant. Vive ensemble. Ces puissants criminels, faut qu'ils rejoignent le monde qui a campé en face. Yo. Et toute bagaille cérémonie mystique magie n'a fait ses bobines. Gon seul sort qui réservé pour nous. C'est bois calé lié. Force là devant marcher près nous pral cacher dans corridor, peuple là même là gagne mon chéri dans belle. C'est pas violence ça y est. C'est légitime défense. Nous gagne gros âme n'a tiré blanc yo, nous gagne les pensées blanc yo pral paraître comme ça. La guette en connaît. On les penser, oui, une grosse arme, nous allons tirer sur l'hélicoptère, après sur l'hélicoptère. La guette en connaît. On prend le temps d'une réponse et on réplique. À partir de ce drame, yon haïtien tué, deux américains lâchement abattus, nous allons regarder ça qui passe. Il y a des gens qui disent non, pas de bah, information ça, non, je ne vais pas faire attention de l'information, je dis vérité. On dit vérité. Parce que ça fait longtemps qu'on m'a dénoncé gang ça sous route 9 là. Parce que c'est toute zone pleine qui cadre ya gang. On est crété la pleine gouna. Il y a mis un gang seulement rete, c'est leur rete parmi les gangs. C'est eux décider. Ça dit soit ou pas faire rien, c'est eux décider sous vie ou. Malheureusement, après bon Dieu, c'est eux qui l'a décidé. C'est eux décider. Ça dit pas parce que moun qui dit que on pas de bonne information mais mon capitaine de nan plein nan qui connaît vérité il connaît que c'est bon vérité m'a bail il dit ah tété ouais monsieur son nèg qui a parlé vraiment ça le connaît t'a dit ou même on doit sentir que non pas de deal mais mon capitaine de qui connaît vérité a l'a constaté que m'gain information c'est ça bail là c'est ça bail là donc son réalité kounya c'est pas parce que m'bail en vérité pour que la police nationale comme ça presque effacée pour que les Américains lui-même qui victime pour pas assumer responsabilité et là Joe Biden lui face à destin et dossier ça pour aller jusqu'au bout parce que là Joe Biden non période électorale l'a géré et pas oublier ces petits républicains qui ont attaqué là qui c'est Ben Baker qui c'est proche Donald Trump et Donald Trump qui est en parler lui-même. Monsieur estime que ça qui passe en Haïti là, son Haïti, son pays qui sans contrôle. Puisque son tête sans contrôle, eh bien, faut gagner réponse qui bat. Attendez bien. Monsieur dit que pays ça, pays d'Haïti, pays à sans contrôle, monsieur vous est sympathique le bail famille. Il dit faut gagner réponse qui bat dans l'immédiat. Par rapport à ça qui est là, qui sont zak que personne pas qu'à expliquer ni comprendre ça qui passe là. Et ça te fait, m'a demandé, monsieur Claire sous ça, monsieur réagit rapide pour lui dire que, missionnaire américain ça, ok, gang tout yé. Il dit c'est pour bon Dieu béni, Devi et Nathalie. Monsieur dit, une telle tragédie, Haïti son pays qui sans contrôle. Monsieur dit nous devons joindre assassin maintenant right now. Monsieur dit faut nous joindre assassin yo dans l'immédiat. Monsieur réagit et ça te fait gagner inspecteur général police kenyan qui c'est Nord Gabo. C'est monsieur qui pral diriger force multinationale ça qui doit déployer en Haïti. Monsieur déjà sous sol haïtien. Monsieur son nèg qui occupait poste inspecteur général adjoint dans le service police administrative dans le pays Kenya. Avant nomination ça, monsieur était en tête
monsieur gagne justement, alors faut me dire monsieur gagne une maîtrise en études de gouvernance dans affaire la paix et sécurité, et monsieur gagne un baccalauréat en criminologie et pénologie. N'attend monsieur pour nous qui ça le pral bail, parce que ça n'a pas vivre en Haïti qu'on est goût dire c'est patriote ou c'est nationaliste, nous pas qu'à continuer vivre li encore. Et Joe Biden face à histoire et dossier ça, trois citoyens qui tombaient, un haïtien, deux américains, Joe Biden gagne pleine responsabilité, parce que date ça depuis 2021, États-Unis gagne possibilité pour t'aider Haïti sorti en bas griffe bandit ça.